De Bob Marley. On a vu dans la méthode comment faire les rythmiques reggae, hein. Donc là, on frotte le médiator sur un aller-retour et on attaque sur le deuxième aller-retour. 1, 2, 3, 4. Les accords sont souvent des accords à 4 notes dans les aigus. Ça, c'est pour faire un ré. Mais en fait, on joue que les 4 cordes du bas. Vous voyez ? Pareil pour le si mineur, on peut le faire comme ça et on peut aussi le faire juste comme ceci. En ce qui concerne le mi mineur sur la partition, au lieu de le faire comme ça, on le fait comme ça. C'est que des petits accords qui doivent sonner de manière assez sèche. Comme ça. C'est la seule difficulté vraiment du morceau. Ensuite, il faut réussir à placer les paroles, parce qu'ils sont assez libres hein, chez Bob Marley. Donc, quand il commence à chanter, les paroles ne sont pas forcément pile-poil sur le temps, etc. Donc, il faut vraiment bien écouter la musique et s'en imprégner. Et ensuite, pour pouvoir placer ses paroles sur les accords. Pour m'aider sur ce morceau, il y avait Sandy et Roxane au cœur.